Deux années d'interruption pour faute de Covid. On est des habitués de cette épreuve, on apprécie beaucoup le Maroc et on vous remercie pour cet accueil toujours formidable qu'on reçoit ici. Bah, comment vous trouvez le Maroc ? Le Maroc, c'est une terre de contraste extraordinaire. On a eu l'occasion d'aller faire des spéciales dans l'Atlas. On a été enchanté par des paysages aux quatre coins du Maroc. En fait, c'est très 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 varié et puis on retrouve toujours cet accueil si particulier, une gastronomie qui nous est chère aussi, beaucoup d'éléments qui font qu'on a plaisir à revenir tous les ans, dès qu'on peut, en tout cas, sur Rallye du Maroc. Bah, on peut avoir quelques informations pour votre voiture? Oui, alors ça c'est une vieille voiture, une 911 de 1981. C'est une voiture qui est préparée pour la course avec une caisse qui est ressoudée, qui est renforcée, des suspensions spéciales. On a une boîte de vitesse qui est plus courte que de la série, avec un autobloquant, donc des pièces mécaniques qui les rendent efficaces sur les pistes. Et ensuite, on a un rapport poids-puissance de 320 chevaux environ et 1100 kg pour le poids de la voiture, ce qui fait que, bien qu'ancienne, c'est une monture extrêmement rapide. Bah, d'accord. On a voir qu'il y a des changements à l'intérieur de la voiture. Si possible, ouais, vous nous expliquer c'est quoi? La voiture est complètement allégée. Alors ici, pas de climatisation, pas de direction assistée, pas d'ABS, pas d'assistance de frein. Donc la voiture est complètement allégée. On a des vitres en plastique, une recharge de poids permanente avec des sièges baquets extrêmement légers. Oui. Et un faisceau électrique qui est refait pour endurer des chaleurs importantes. Voilà, pour le reste, c'est la configuration à peu près d'origine de cette voiture qui est, je répète, de 1981. Bien, bravo à toute l'équipe d'organisation qui a redoublé d'efforts pour organiser le rallye, qui a été déçue à plusieurs reprises avec des reports successifs liés au Covid. Et donc c'est quand même une belle performance et on les remercie de s'être accrochés pour arriver à organiser une semaine de course dans de très bonnes conditions. Je suis copilote cette belle Lancia Beta qui fait 8e rallye au Maroc. On est très heureux. Donc moi je m'appelle Susanna Wloszczyńska, je suis franco-polonais. Mon pilote s'appelle Camille Bobiani, il est français et on vient des Côtes d'Azur. Une petite anecdote en fait, je viens de réaliser que nous, dans cette belle Lancia, on a un seul équipage qui a son coffre, pas d'assistance. Le copilote, il aime bien avoir tout, pas seulement pour lui, mais aussi pour dépanner les copains, les amis, qui ont besoin pendant les rallyes. C'est l'autre devise. C'est pas seulement pour soi, c'est pour les autres aussi. Donc, notre coffre est toujours plein des outils et tout ce qu'il faut pour se dépanner en route. Bah, s'il vous plaît, on a besoin de connaître les caractéristiques de la voiture. Ah bah, c'est plus la question pour monsieur. D'accord. Alors, ici vous avez ce qu'on appelle une Lancia Beta Groupe 4. C'est une voiture qui courait dans les années 70, qui a fait le championnat du monde à l'époque avec la Lancia Stratos et aux couleurs de Marlboro, qui était le cigarettier à l'époque.
Elle a couru en deux couleurs, couleur rouge et blanche comme le Maroc de Marlboro et les couleurs verte et blanche de Alitalia. Cette voiture donc elle est de 74 et elle est conforme exactement au véhicule qui courait à l'époque. À ce moment-là, bon, mis à part qu'elle a été un petit peu adaptée au niveau suspension pour les rallyes ici au Maroc. Le châssis a été renforcé, bien sûr, parce que c'est des voitures qui ont quand même beaucoup d'âge. Et puis sinon, tout le reste reste strictement d'origine. Voilà, nous avons Jean, notre mécanicien, et le préparateur de cette voiture. Et puis voilà, au niveau technique, elle est conforme à la réglementation de la Fédération Internationale Automobile, qui exige donc tout ce qui est sécurité, bien sûr, les baquets, les harnais, les roll bars, donc ce qui est tout l'arceau de sécurité à l'intérieur, qui est beaucoup plus sécurisant qu'à l'époque, parce qu'à l'époque c'était moins fiable. Voilà, et puis nous avons ici Susanna qui est notre copilote d'excellence. D'accord. Et bienvenue au Maroc. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة